Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, résumé de mon 1v1 contre Dentos pour la Coupe de France Solari. Cast par Revenja, les gars. J'avais pas ma POV, j'ai pas stream, du coup, je vous ai mis la POV. D'ailleurs, c'est beaucoup mieux de Revenja en plus, il cast et tout. Et les gars, malheureusement, ça fait quasiment un mois que j'ai pas fait de vidéo, donc n'hésitez pas à bombarder les pouces bleus. Et franchement, je vous le dis, Fortnite en ce moment, y a rien à faire. Y a rien à faire, y a plus de solo cash cup. Franchement, si t'es pas élite, c'est pas un truc de fou. J'espère vraiment que la nouvelle saison dans 3 semaines va être une dinguerie. Je compte sur eux pour faire un truc de fou. Ils en sont capables. Bref, comme d'habitude, les pouces bleus, abonne-toi. Et puis vous allez voir votre petit Dentos, je l'ai écrasé en miettes. Pour à peu près 10 secondes, vous faites votre petite pub si vous avez envie pour vous présenter, s'il y en a qui vous connaissent pas au cas où. Ah ouais. Je commence. Les gars, moi c'est Cocto, alias le mec qui a la meilleure aim, 5000 learning, 3000 de PR, attention. Je vais tout faire pour gagner parce qu'après, je vais affronter Joe la panique en quart quand j'aurai battu Dentos. Ah, oui, crois-le. Crois-le. Bah vas-y, moi c'est Dentos, je fais les best-of. Demain, vas-y, hein, dans le best-of, il y aura un clip où je pioche Cocto, je pense. Ah, j'aime bien. Il y a un peu de l'animation entre vous deux là, c'est bien. Du coup, trop, qui a l'avantage? Je connais les starts. Vu que Dentos il s'est traîné un petit peu avec Skyden hier. Lâche pas le high. Oh purée, ça va être gotesque. Ça va être sympa. Je sais vraiment pas qui a l'avantage en vrai. Cocto là pour l'instant, c'est Cocto qui a l'avantage. Cocto qui cale quelques balles. Ouh, il va crack Dentos avec son AR. Ah, Brian. Ah, bien sûr, hein, le petit logo Cocto avec le poulet dans le dos. Pour l'instant, il a le high. Dentos qui va peut-être tenter de reprendre le high. Il va faire tomber. Pour l'instant, ça passe. Cocto qui garde la hauteur. On a plus de fiches et plus qu'une seule mini pour Dentos. Oh, quoi? Moins 172 dans le crâne directement. Quoi? Ah, trop gaffe, ouais. La balle d'ici? Il lui a mis 172. J'ai oublié d'enlever la PM en plus. En vrai, t'as pas tiré avec. Ouais, je suis bien. What the fuck? Je pensais même pas que tu pouvais prendre aussi cher de cette distance. On reste sur le coq, hein. On va rester sur lui du coup. T'es sûr c'est Cocto qui joue, dis lui de parler dans le jeu. Ah ouais là, pas sûr en fait hein. La reprise d'œil. Ok, Dentos qui a la hauteur pour l'instant, Cocto qui essaye de la reprendre. Tard 2016. RIP le crâne de Dentos. Ouh, Dentos qui lâche un moins 50. Pour l'instant, il garde sa hauteur. Cocto qui a tenté une décale, c'est pas passé. Ouh, what? Mais attends, 162? Mais Cocto, il a un petit aim quand même. Ah, ah non. Non, c'est trop. Cocto qui fait tout pour entrer dans la box. Pour l'instant, ça passera pas. Dentos qui a eu le temps normalement de mettre son fiche. Manque 40. Tu passes à travers tout. Et 45. Oh, après, t'as failli me faire tomber dessus. Ça a failli être giga smart 2-1. 2-0 pour Cocto pour l'instant. C'est vraiment, je sais même pas comment tu vas pas tomber. Comme on dit, il a une rattrapé, il y a un seul en fait. C'est pas Cocto. Après, je pense que j'ai mis CS, j'ai mis sol, j'ai mis mur, double mur sol. Ouais, bonne réaction. Non, mais là, c'est pas Cocto qui joue. Il y a quelqu'un sur son compte, je pense. C'est pas possible. Frère, il met des patates. Il a mis 262 en deux manches. C'est Dentos qui a la hauteur cette fois-ci. Il va descendre. Est-ce qu'il va tenter des balles? Non. Petit side jump pour remonter. La balle qui passera pas pour Dentos. Ouh, quoi? C'est quoi cette balle à 190? Mais attends, mais ils ont des vrais aims, les contents de Creator là. J'ai jamais vu d'aussi grosses balles en 3 manches. C'est vraiment qui joue, les gars. C'est un console qui joue. Ouais. Tu sais que j'hésitais pour la blague à demander à l'article s'il pouvait prendre mon compte, je me suis dit ce serait pas très drôle. Attends, mais ça tire des balles ici. Ça tire bien hein. Ça construit pas très vite, mais ça tire bien. C'était quoi ça? Cocto qui a mis un moins 35 qui fait... Waouh, le laser du coq. Perdu dans le miroir là. Cocto il passe ses manettes entre temps, c'est bien. Dentos qui a eu un beau réflexe en se protégeant. Oh. Heureusement qu'il a mis l'escalier derrière lui, Dentos, parce que je crois que Cocto avait anticipé avec une double edit au-dessus de sa tête.
Dentos qui a la hauteur. Faudrait peut-être qu'il mette son fish. Oh là, il joue avec le feu un peu là, Dentos. La décale de Kokoto qui passera pas. Dentos qui garde son high pour l'instant. La balle ratée, c'est dommage. Ah, j'ai la décale du coq directement. Aïe aïe aïe, 3-1 pour Cocteau, il va avoir le droit à sa première balle de match, le coq. Ouais, à chaque fois j'oublie de lâcher la PM aussi. Bah après en soi, l'émission... Ah, je suis content que t'aimes bien Raymond. Bizarre, il est pas en live. Vas-y, la remontade à la semaine, non. Cocteau, je crois que si il marque un round, c'est bon. Ouais, je crois aussi. Justement, là, j'ai plus trop de choix. Cocteau qui spam. Eh, son air, elle a fait aussi la différence hein, pendant ses manches, hein, parce qu'il a mis beaucoup de dégâts avec son air. Quand Dentos montait ou qu'il avait du mal à hold. Là, ça se regardait de côté. Je suis hype par le pire match de la cup. Ah, ça c'est stylé ça. Mais du coup, je pense que les content créateurs, je vais les faire jouer entre eux. Comme là, j'ai fait pour Cocteau et Dentos. Du coup, je pense que je vais essayer de faire passer Stizo contre Je la Vanille. Comme ça sera drôle aussi, ça sera pas déséquilibré. Et du coup, celui qui devait jouer contre Kaizen. Celui qui devait jouer contre Joe Lavani devront jouer contre, du coup je pense. Ce sera plus sympa à regarder, je pense. 3-2, 3-2, mais du coup, Dentos qui sauve une première balle de match, il prend le round et ça fait 3-2 non, pour pas lui. De round, pas de round. En fait, moi je sais pas faire de 90. Non, mais je sais que Joe il est bon. Jamais le high. Mais je pense que ça serait plus stylé comme ça, je sais pas. Genre de faire jouer les contents de créateurs entre eux. Parce que là par exemple, j'aurais fait ce soir, normalement ça aurait dû être Cocteau, Arcane. Et Dentos contre Neinei. Neinei a battu Arcane, donc les deux seraient pas amusés. Alors que tu vois, là au moins ils s'amusent un petit peu, je sais pas. Du coup, je sais pas, je trouve que c'est plus sympa. Oh, le piss control de Dentos, mais ça va pas payer, il a 18 HP. Oh, et Cocteau qui va s'imposer. Non. Allez hop, Dentos à la casserole. Bon les gars, salut tous, c'est pas sur le best-of. Ah, la victoire du coq. Non, ouais, en vrai, j'ai trop mal. Personne ne croyait en moi. Toujours croire au coq. Non, mais en vrai, là, c'est dommage, Dentos, parce que tu l'avais piste contrôle, mais t'as pas réussi à lâcher une grosse balle et Cocteau il a. Ouais, il a mis la balle 60 aussi. 4 en plus, moi j'avais loupé ma première balle, j'avais mis dans le mur. Du coup, les potes, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez kiffé. Si c'est le cas, le petit pouce bleu, abonne-toi. Franchement, l'époque des une vidéo par jour, elle me manque aussi. Je suis un peu désolé d'être un peu moins actif sur d'autres projets. Que je pourrais vous parler, venez sur Twitch si ça vous intéresse. Et puis voilà, c'était Cocteau. Ciao, ciao!